Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ici Karazu, et nous revoilà de retour pour Fallout 4. Voilà, alors aujourd'hui je suis tout seul à la voix pour l'instant, vu que Mayana a des problèmes techniques de son côté. Donc ben, en attendant que ça se stabilise de son côté, ou ça sera moi tout seul. Voilà. Donc j'essaierai de parler quand même pour deux. Donc on va continuer tranquillement notre petit chemin à la recherche de notre fiston, en prenant le plus possible de son temps. Et parce que alors s'il y a un truc que Fallout 4 a raté, c'est de nous donner le sentiment d'urgence. C'est-à-dire qu'en gros, on se sent pas pressé de sauver, enfin de retrouver notre gosse. Et hey, coucou Ney, j'espère que le son et tout ça marche bien. Coucou Setanta aussi. Pan, pan, pan. Donc voilà. Alors, histoire de ne pas avoir de session de farming, de leveloping intense, j'ai fait un tout petit peu de leveloping en votre absence. J'ai pris quoi 3 niveaux, je crois, quelque chose comme ça. J'ai pas fait de quête, hein, j'ai juste été. Buté du monstre. Donc vous me dites hein, si tout est bon, son et image et tout. Ah oui, et j'ai droppé une arbalète. Qui est une arme modée. Ne la cherchez pas dans votre jeu. Si vous n'avez pas le mode, vous l'aurez pas. Alors je me suis arrêté au niveau 14, parce qu'en fait au niveau 15, je crois qu'on reçoit l'appel pour commencer l'extension, donc j'avais pas commencé l'extension sans vous. Ok, pas de problème, son image, parfait ça. Donc voilà, alors... Oui, alors... Ah oui, il y a l'imbécile de merde, comment il s'appelle maintenant, de Preston qui voulait me nommer leader des miliciens. Alors j'avais dit non, histoire d'avoir le dialogue quand vous serez là. Et donc oui, pour cet entat, je sais pas s'il avait vu la faux passer parce qu'il était parti dormir. Oui, voilà, le drapeau, il est mis, le drapeau. où qu'il est, Preston? Preston! Je sais pas. Bon, il doit pas être à proximité. En général, quand on tire comme ça dans la ville, il râle. Donc, où est-ce qu'il est passé, ce crétin? Alors, ça, c'est le mécano. Ça, c'est la drogue et service. Bah écoute, c'est Tanta, si tu te prends un jour Fallout 4, je te passerai le mode pour le drapeau, hein, et je te passerai même les modes que tu veux, hein, s'il y en a d'autres que tu vois que j'utilise qui te plaisent, je t'apprendrai. Ah bah il est là, Preston, viens par ici, avant que je te tire une cartouche de chevrotine dans le cul. Qu'est-ce que vous en dites? Vous voulez bien être le leader dont le Commonwealth a besoin? Vous voulez réformer les miliciens? D'accord. J'accepte. Parfait. Bienvenue parmi nous. Je sens que c'est un nouveau départ pour les miliciens et pour le Commonwealth. Ne vous en faites pas. Je serai là pour vous appuyer, Général. Pourquoi est-ce que vous m'appelez Général? Le leader des miliciens a toujours porté le grade de Général. Notre dernier chef était le Général Baker. À sa mort, en 82, tout le monde s'est disputé pour choisir son successeur. L'avantage d'être le dernier milicien, c'est qu'il n'y a plus personne pour m'empêcher de vous nommer général. À vous de faire de ce mot bien plus qu'un simple titre. Une autre colonie nous a contactés pour nous demander de l'aide. Voilà.
Voilà, donc la station Oberland. Où est-ce que c'est ça, la station Oberland? Ouais, non, c'est pas là. Ouais, c'est quand même à Perpète-les-Ouailles, donc, hein? On va attendre un petit peu. Voilà, alors, j'avais une fréquence radio que j'avais découvert pour passer. Ouais, je suis trop loin pour. Ah, mais je suis trop loin pour, mais ça a quand même validé l'objectif de quête. Bon, bah écoute, ma foi. On va pas se plaindre. Donc en gros, la station de radio, là, c'était un appel à l'aide. Ils sont submergés par... par plein d'ennemis. Ils nous disent pas ce que c'est, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Et donc, ben, hop, on va aller sauver ces clampins. J'ai chopé un magnifique fusil sniper. Enfin, magnifique. C'est fusil sniper en... en carton, hein. Alors, MGS5 et Fallout 4 encore sont pas difficiles à faire tourner en ultra. GTA 5, c'est une autre paire de manches. Mais honnêtement, GTA 5, il a été optimisé avec les pieds. Je veux dire, j'ai une putain de bonne machine et je le fais tourner en élevé, en coupant quelques trucs. Par exemple, les ombres sont pas en élevé, l'herbe est pas en élevé parce que l'herbe elle bouffe à mort. Dans GTA V, donc honnêtement, c'est vrai que ta machine elle ramait sur FF14, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est vrai qu'une une petite upgrade serait pas mal. Oh, de la drogue et des soins. Miam, miam, miam. Plus de drogue. Bah écoute, on verra cette antenne si ce sont des ghouls qu'on va croiser. Hein. Je sais pas, peut-être que le titre de la vidéo a vendu la mèche. Ah. Je donnerai rien à des empoisonneurs de votre espèce. Vous savez ce que cette saloperie a fait à mon garçon? C'est lui qui l'a acheté, Trudy. C'est pas notre faute s'il est devenu accro. Me force pas à entrer là-dedans et bousiller ton petit magasin de merde. Voilà, on se calme. Mêlez-vous de ce qu'il vous regarde. Arrêtez de m'agiter ce flingue sous le nez, sinon je vous assure que ça va me regarder très directement. C'est bon, pas la peine de s'énerver. On va baisser nos armes. Et vous, pas de coup fourré. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est juste une histoire de fric. Lydie nous boit du blé et elle refuse de nous le rendre. J'ai essayé de la raisonner, mais j'ai l'impression que je vais devoir récupérer mon fric par la force. Vous voulez vous faire un peu de pognon facilement? Aidez-moi. Vous pourriez me prêter main forte ou alors essayer de convaincre Trudy de me payer. Je vais lui parler. On peut peut-être arranger ça. Merci. Si ça tourne au vinaigre, on vous soutiendra. Alors, donc, on a des gens ici qui veulent... récupérer leur fric. On va voir le côté de l'histoire de Mademoiselle Trudy. Je vous ai vu, enfin, madame. Cette espèce d'empoisonneur. Je ne le paierai pas. Point. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, Scooty Dealer ne vous l'a pas dit? Il a rendu mon fils accro. Il lui a vendu du jet à crédit. Et maintenant, il veut que je le paie. Je refuse de donner la moindre capsule à cette ordure. Je veux vous aider, Trudy. Qu'est-ce que je peux faire? Débarrassez-moi de Wolfgang. Je ne sais pas combien il vous paie. Mais moi, je vous offre 100 capsules pour buter cet enfoiré de dealer. J'ai fait un marché avec Wolfgang. Si vous voulez que je le double... Pas de ça avec moi. C'est 100. Raté. Raté. Bon. D'accord. Merci. Mais bon, j'aime pas les dealers de drogue. Donc... Hop, un de moins. Allez, Simone. Hey, touche pas mon clébard, toi. Connasse.
Bon, alors ça c'est bon. On récupère ça aussi. Le reste, rien à foutre. Voilà, ça c'était histoire d'être sûr qu'il était mort. Oui, effectivement, c'est dans ta 6 FPS à Ulda. Oui, effectivement, il sera temps de changer ton PC si tu veux jouer à. À GTA et Fallout et. MGS, ça devrait aller. Tenez, c'est pour vous. Et si vous voulez acheter quelque chose, le magasin est ouvert. Ça ira maintenant? Oui, ça va prendre un moment pour sauver Patrick. Mais on y arrivera. On s'en sort toujours. Bien, parlons. Je n'ai besoin de rien aujourd'hui. Bon. Bon, alors vous voyez, ça c'est une petite quête de rien du tout. Mais cette quête, en fait, permet de se faire voir, à la bonne avec certains des marchands. Et surtout, l'endroit où on est ici, il y a une marchande itinérante qui a tendance à passer par ici. Et elle fait le relais entre Sanctuary et ici à partir de maintenant. Donc si je la trouve, bah, elle est là-bas. Alors je vais vous montrer une astuce, parce que c'est une vendeuse que vous verrez très souvent dans votre partie. Et en fait, il y a moyen d'avoir une réduction non-stop en faisant une bête réponse. Elle vous fait une réduction de 10% sur ses prix, à vie. Alors c'est quoi votre histoire? Vous êtes là pour faire du troc? Dépouiller? Ou juste me demander le chemin de Diamond City? Voilà, donc là, si on utilise sarcastique, vous allez voir. Je cherche juste l'amour, mon cœur. Je l'ai frappé à la mauvaise porte, mon mignon. L'amour, c'est fini pour moi, depuis longtemps. Mais je vais vous dire, gros malin, vous avez fait sourire la vieille femme que je suis. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors, si vous voulez qu'on fasse affaire, je vous ferai une réduction. Voilà. Donc maintenant, Carla me donnera une réduction à vie. Alors, à savoir, ça pourrait peut-être faire Marinei. Donc, le personnage-là de Carla, dans la version anglaise du jeu, elle est doublée par Veronica Cartwright. Veronica Cartwright, donc, qui a joué, par exemple, dans le premier Alien. Dans le premier film Alien, c'était Lambert. Lambert, comme ils disent. Donc, voilà, c'est... Ça m'a fait marrer de lire ça sur la page du personnage, j'ai fait « Ah tiens !» Donc, et ça va être une bonne source de... Enfin, elle va m'apporter pas mal de munitions. Enfin, m'apporter. Elle va me vendre pas mal de munitions. Et beaucoup de matériaux pour crafter. Pourrait tirer à courte paille. Il y en a qui me demande si on pourrait tirer à courte paille. J'imagine oui, mais tirer à courte paille, pourquoi exactement? Que je comprenne bien de ce qui se passe. Ça se trouve, j'ai pas suivi une connerie. J'ai dû dire une connerie, et voilà. Hop. Ah, et je vais voir si elle vend des choses avec des vis. Ah, dans le film Alien, oui, on pourrait tirer à courte paille, oui, ça y est, c'est une des répliques du personnage de Veronica Cartwright, voilà. Merci, Neige. Bah tiens, voilà, une cargaison de vis, alors j'espère juste que je vais pouvoir vendre assez. C'est vrai, le personnage de Lambert n'est pas des plus courageux dans Alien. Bon, après, à sa décharge, il y a quand même une grosse putain de bestiole qui est en train de refroidir tout le monde. Hein. Donc voilà, la décharge de madame. J'ai récolté autant de munitions 5 mm. Bon, bah, je vais me faire des sous, hein, moi. Hop! Ça y est, les citations aliens, là, ça commence. Alors, Ney qui dit, je suis pas pour tirer à courte paille, moi, je suis pour buter cette saloperie. Ça, c'est, merde, comment il s'appelle? Parker, je crois. C'est Parker qui dit ça, je crois. Ça y est, j'ai envie de remater pour la 12 000e fois Alien.
Rien que depuis 2016, je l'ai déjà maté quoi, 3-4 fois le Alien, le premier. Et le 3 pareil. Voilà, c'est Monsieur Parker. Voilà, hop. J'ai vendu à perte un petit peu, mais c'est pas grave. Ah merde! Attends. Carla, j'ai vendu mes munitions de shotgun par erreur. Voyons ce que vous avez. Munitions shotgun 2. Ben. Enfin. Ah non, 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 non. Ok, non, c'est juste un petit bug apparemment. Bon, ok, j'ai un bug. Ah, voilà. Ouais, c'est Bishop. Enfin, si tu parles du robot, enfin de l'android, oui, c'est Bishop. Alors, je vais refaire un tour à Sanctuary avant de me relancer l'aventure. Parce que j'ai acheté donc du stock. Ah bah des synthétiques, on va en avoir ici, dans Fallout aussi. Ah la vache. Alors il y a Mie qui fait « Waouh, ça fonctionne bien sur le téléphone ». À savoir que Mie, donc elle est dans la chambre, donc je ne savais même pas qu'elle était là. Coucou chérie. Ah la vache. J'avais pas exploré cette grotte là la fois passée. Je préfère homme artificiel, mais c'est personnel, ouais. Enfin, je suis sûr qu'avec Ney, on pourrait refaire Alien à la voix. Lui et moi, on pourrait le refaire, quoi. On refait le film en entier, quoi. Enfin, je sais pas, je crois que Mayana aussi connaît bien quand même les films. Oh, le vol plané qu'il a fait! Alors, de la pâté pour chien. Hop, hop, hop. Ouh, un fusil de chasse. Cool. Ah tiens, voilà. Alors, un détail pour ceux qui ne jouent pas à Fallout depuis longtemps. Vous voyez ici, il y a une espèce de déformation dans, de l'image. C'est du gaz. Donc, en gros, si vous tirez, ou qu'il y a un explosif ou quoi que ce soit, ben, ça va faire du feu. Récompense d'éco champion. En nom de l'antenne régionale de Boston, je souhaite vous féliciter, vous et votre équipe, en vous décernant le titre d'éco champion 2076 pour la meilleure réduction de déchets réalisée par le magasin individuel. Le respect de l'environnement fait partie intégrante de notre politique de communication et vos efforts innovants dans ce domaine sont grandement appréciés. Cordialement, Gérard Philippe, vice-président de la région de Boston. Alors, faudra dire à cette personne. Oh bon, ok, elle s'est un peu fait entuber parce que, alors là, vu le nombre de radiations que je suis en train de prendre, voilà, hein, je crois que le type, il les a un peu entubés, genre méchant. Donc, voilà. Ah ! Putain de merde, faut que je tombe sur une luminescente. Bam ! Ouh, il était beau. Ouh, il était beau. Moi personnellement, c'est Terminator 2 que je... Enfin, le 1 et le 2 plutôt même carrément que je connais au mot près. Ah, un nounours, mais il est coincé dans le décor. Nounours. Ah, voilà. Sauvez le nounours. Ça, vous y échapperez pas, hein. Je ferai tout pour... Dès que je verrai un nounours dans le jeu, vous allez voir, je vais devenir cinglé, il faudra que je le récupère, quoi, absolument. Le mec, il va risquer sa vie pour une peluche, quoi. C'est moi. En tout cas, il y a du monstre sur la chatbox, ça fait plaisir. J'aime quand ça bouge.
Alors profitez aussi de mon shotgun là parce que il est badass et il est efficace, mais malheureusement trop peu de cartouches. Il y a que 2 balles quoi. C'est un shotgun. Et du coup, je le remplacerai assez vite par un autre fusil à pompe. Mais j'adore tellement quoi. Si on pouvait modifier le. Je veux dire, c'est Fallout quoi. On pourrait bien customiser le flingue pour. Enfin, le fusil à pompe pour qu'il y ait plus de munitions quoi. Ça c'est chiant. C'est frustrant en fait. J'adore ce flingue, mais voilà. Ouais, sur mon autre partie, j'ai plus de 200 peluches qui sont rangées dans un coffre, parce que si je les mets toutes en ville, déjà ça va ramer à mort, et puis surtout, elles vont partir dans le décor et tout, donc ça sera rien, quoi. Mais je les collectionne, juste pour dire que... Poum, 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 poum. Alors, hop, voilà, et alors je retire l'ours en peluche parce que je l'ai mis par erreur ici. Donc oui, vous inquiétez pas, il y a des noms en anglais, des noms en français, c'est parce que j'ai installé certains mods et du coup il y a certains items qui repassent en anglais. Alors, est-ce que du coup je vais pouvoir modifier une arme dans l'affaire, parce que j'ai des vis maintenant. Et donc Ney qui confirme bien qu'il connaît par cœur Alien. C'est gentil ça, cet Anta. Il a rematé l'un de mes streams de 4 heures quand même, le cochon. Alors, je vais un petit peu améliorer, voilà. J'adorerais pouvoir connaître Alien 3 par cœur, mais malheureusement pour moi, je suis pas encore habitué à la version Director's Cut, si on peut appeler ça comme ça. Pourtant, c'est ma version préférée du film, parce que elle est juste 10 milliards de fois mieux, faut dire ce qui est. Mais du coup, je connais pas encore les nouveaux dialogues. On va aller pioncer. Ah d'accord, l'histoire des fesses de Big Boss, oui. Pour ceux qui ne suivent pas, je vous invite à remater le stream de MGS5 que j'avais fait. Parce qu'on va pas vous spoiler ici quand même hein, ce qui se passe. Hop. Au passage, on améliore ça. Ben voilà, vous voyez, Carla, maintenant, elle arrive. Salut, Carla. En ville. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. À savoir qu'on peut tenter de la raqueter au début, mais si tu la raquettes, que ça passe ou que ça passe pas, tu n'auras plus jamais accès à son magasin. Donc c'est quand même une belle connerie à faire. Non, ça c'est un peu trop cher, la cargaison de pétrole. Donc je vais juste prendre si elle a des choses qui ont de l'huile. Oui, là un petit peu. Non, Carla, elle est pas méchante. Faut juste penser à la draguer. Si tu penses à la draguer la première fois, elle te fait une réduction à vie. Alors, on va vendre un peu de ma drogue. Mais pas trop, parce que ça me servira.
là si je fais ça. Combien ça coûtait encore, merde, cette saloperie? Donc ça me fait 1042. Donc il faudrait que je fasse encore une centaine. Qu'est-ce que je peux vendre? Bah voilà. Ah oui, bah bon, après on est dans Fallout, donc personne n'est vraiment clean. Je vais pas spoiler, n'empêche, on découvrira tôt ou tard. Mais oui, non, personne n'est vraiment clean dans Fallout. Voilà, donc j'ai acheté de l'huile pour pouvoir continuer de crafter. Surtout que j'ai découvert... Enfin, j'ai droppé un nouveau fusil sniper, donc celui-là je vais le garder sous le coude. Ah, j'en ai connu aussi une qui s'appelait Carla, mais c'était pas le même genre de caractère. Hop. Voilà, on peut aller se mettre en route. La conscience tranquille cette fois. Donc, je dois me rendre au commissariat qui est là-bas, donc je vais prendre un petit raccourci. Ah, elle est pas mal cette Anta. Oh, j'aime bien la blague de cette Anta. Il disait hier, j'ai fait une blague sur les handicapés, on m'a répondu, mets-toi à leur place. Quand je me suis mis à leur place, j'ai pris 135 euros d'amende. Ah, je l'aime bien. Elle est crapuleuse, j'aime bien. Alors. Par contre, alors j'espère juste qu'ils n'ont pas encore repop là, les raiders ici. Non, c'est bien. On peut avancer. Bon, tout ce que j'espère, c'est que je vais que la quête va pas me... Enfin, je suis peut-être un peu bas niveau pour faire la quête vers laquelle je me dirige, mais on verra bien. Récupérateur. Ouais, bon. En gros, que des connards. Bonjour. Blam. Wouhou. Pipe, ça je m'en fous. Putain, il est solide celle-là. Non, bon, ben d'accord. Alors du coup, lui, il est pacifique. Ah non. Merci Canigou. Canigou qui a fait une connerie. Je sais pas pourquoi, mais en gros... Bordel de merde, il y en avait un deuxième. Non, 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 c'est Anta. Ouais, avec le décalage, ça sert à rien que je dise non. Ah putain de merde. Ah
Boum! Oh mon petit chien! Hop là! Non, là effectivement, Mie, on pourra pas s'empêcher, on pourra pas se permettre de bloquer les lettres juste pour emmerder. Ouais, voilà, on peut dire ta gueule à cette tante, par contre. Pas beaucoup de munitions, donc on va rester prudent. Un habitant avec une note sur lui. Alors les notes peuvent des fois donner des mini-quêtes. Alors j'ai l'objet combat de shotgun, reste plus 80 moins de le vendre sans que personne le sache. Je l'ai caché à l'endroit convenu, poste de contrôle, militaire, nanana. Je te retrouverai ce soir. Prends garde à ne pas être suivi, je crois que John commence à avoir des soupçons. Voilà, donc cette quête là me donne c'est un endroit aléatoire qui va donner un objet aléatoire, donc ici un fusil d'assaut, un fusil à pompe de combat, mais vous voyez c'est loin, donc ça sera plus haut, beaucoup plus tard. Parce que savoir que ce sont les endroits où on se rend dans Fallout 4. Les monstres, eux, ils s'adaptent pas à votre niveau. Non, non. Si tu vois un endroit où t'es pas censé aller, tu le sentiras très vite. Ils vont te ratiboiser la tronche, mais ça va être beau. Hop. Rien ici, rien ici. Et rien là-bas. Ok. Alors, celui-là, il est amical. On va en profiter. Ah, voilà. Alors, vous entendez sa pétarade. Effectivement, l'appel de détresse n'était pas là pour rien. C'est exactement ça, c'est The Walking Dead hein, ici. Enfin là c'est The Running Dead parce qu'ils ont putain de rapide quand même ces connards. Là, bon ben hop. Kanigou qui m'a piqué le kill là. Allez, fais bonjour à la caméra. Blam. Wow, 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 can you go? Mission accomplie. Moi, je pouvais pas tirer plus à côté que ça là. Alors, récupérer le maximum de munitions et compagnie avant de parler à ce crétin. Oh oui, bah là, je crois que là mes fringues elles sont complètement sales. Hein, avec
les coups corps à corps que j'ai fait. C'est bon. Waouh! Tu fous les jetons, toi. Alors oui, donc comme je vous ai dit, il faut passer. Vous remarquerez donc certains NPC ont des visages un peu différents de la version normale. Hey, je vous remercie pour votre... Donc le Paladin Dance en fait partie. Équipe d'extermination des nuisibles, monsieur. Il paraît que vous avez un problème de ghoul sauvage. Vous trouvez ça drôle? Continuez à éluder mes questions et je vous ferai évacuer sans ménagement. Vous venez d'une communauté des environs? Je viens de l'abri 111. Vous sortez d'un abri? Vraiment? La plupart des gens préfèrent garder ça pour eux. J'apprécie votre défaut. Pardonnez-moi d'être aussi méfiant, mais notre mission ici est de plus en plus compliquée. Depuis que nous sommes arrivés dans le Commonwealth, nous sommes assaillis de toutes parts. Si vous voulez continuer à nous donner un coup de main, nous serions heureux de vous compter parmi nous. Je veux bien continuer à vous aider, mais vous me devez quelques explications. Très bien. Je suis le paladin Dance, de la confrérie de l'acier. Et là, c'est le scribe Hélène, le chevalier Rhys. Nous sommes en mission de reconnaissance, mais j'ai un blessé et nous avons besoin de ravitaillement. J'ai essayé d'envoyer un SOS à mes supérieurs, mais le signal est trop faible. Permission de parler, chef? Accordé, Hélène. J'ai modifié l'antenne radio sur le toit du commissariat, mais c'est toujours pas suffisant. Il faut trouver un moyen d'amplifier le signal. Notre cible est Arc Jet System. Notre mission, récupérer leur émetteur longue portée. Nous allons pénétrer dans le bâtiment, mettre la main sur l'émetteur et le rapporter ici. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est un bon plan. Si on s'en sort vivant. Rassurez-vous, je n'envoie jamais mes hommes au combat si je ne suis pas certain de les ramener. C'est d'un rassurant. Surtout que si on commence à écouter les holobandes. Tout de suite. Rhys, dès que vous serez remis sur pied, je veux vous sécuriser le périmètre. Compris. Quant à vous, vous allez nous montrer ce que vous avez dans le ventre. Allez vous ravitailler au commissariat et revenez me voir quand vous voudrez commencer. Allez tout le monde, exécution. Ah oui, j'avais laissé des coules là au-dessus. Bah c'est pas tant qu'il est pas chaotique le Paladin Dance, enfin, je vais pas spoiler non plus. C'est juste qu'il est con comme une clinche, mais alors c'est pas possible autrement quoi. Ah tiens, j'ai level up. Qu'est-ce que je vais monter comme skill? Bah, note le mystérieux étranger, ça peut être utile. Voilà, comme dit Millet, sans trop en dire, c'est il est con et droit. Hein, dans genre loyal. Il est loyal con. Voilà, c'est vraiment ça. C'est un loyal con, c'est pas un loyal bon, c'est un loyal con. Et putain, quoi. Je l'aimais bien dans ma première partie, jusqu'à un certain moment, quoi. Je sais pas trop. Ton état n'est guère encourageant. Ce serait peut-être plus humain de t'emmener dans un coin et de t'achever. Merci pour ton grand cœur, Doc. Arrête de gigoter, que je puisse ajuster ces bandages. Si c'est pas mignon. Alors. On va piller tout ce qu'on peut ici en termes de munitions, parce que, croyez-moi, on va en dépenser les munitions sur la quête qui arrive. Oh putain oui. Je suis même pas sûr de m'en sortir en vie. C'est même pas trop bon, trop con là, à ce niveau là, cette entasse. Ah, il dépasse toutes les espérances au niveau bêtises. Hein. Alors, hop. De la drogue. De l'adhésif. De l'aluminium. Eh oui. Bah ouais. Alors, hop.
épingle à cheveux, ça c'est toujours cool. Un ventilateur, ça se démonte et ça devient des vis. Et les vis aussi, c'est très utile si vous comptez commencer à crafter et tout et tout et tout. Hop. Alors, ça c'est une holobande qui sera utile beaucoup plus tard dans le jeu, mais autant la récupérer maintenant. Donc je l'écouterai en temps et en heure. Munitions. Bon, de quoi se foigner quand même. Encore de la drogue. Un nounours ? Où est-ce qu'il avait un nounours, lui ? Oh, 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 oh. J'ai pas souvenir qu'il y a un nounours ici, de toute façon, mais... Je voulais pas prendre le plateau, mais enfin c'est pas grave. Non, il n'y a pas de nounours là. Alors, hop. Dans une cellule. Ah d'accord, je vais aller voir. C'est un tas qui pense avoir vu. Dans une cellule, un nounours, voyons voir. Non, non. Non. Ce que t'as dû voir, ça doit être Nestor ici, là. Oui, parce que chez moi, les squelettes, je les appelle Nestor. Demandez pas, c'est comme ça. C'est quoi ça? De l'antigel. Oui, bon, ça ne me servira pas maintenant. Je vais pas me surcharger des masses non plus. Alors. De l'argent. Des cartouches. Et redé. J'ai combien Steam Pack? 34. Ça va être un peu serré pour la mission, mais bon, on va voir. Cartouche, cartouche. Maintenant, ça c'est la sortie. Voilà, et hop, on va se mettre en route. Voilà d'un dance. Vous pourriez y aller? Oui. Formidable. Suivez-moi. Et ne prenez pas en route. Oui, tiens, c'est tentant de faire ça juste, attendre que Robocop là, il sorte. Ça fait trop longtemps que je suis coincé ici. Vivement que je retourne sur le terrain. Allez, attends deux secondes. Voilà, donc c'est tentant qui me suggère de faire une sauvegarde rapide et de déglinguer Rhys pour le plaisir. Mais je sais même pas si on peut le déglinguer à ce moment-là du jeu. Boum! Ah si. Oui tiens, c'est tentant de faire ça juste, attendre que Robocop là il sorte. Ça fait trop longtemps que je suis coincé ici. Vivement que je retourne sur le terrain. Oui, attends deux secondes. Voilà, donc c'est tentant qui me suggère de faire une sauvegarde rapide et de déglinguer Rhys pour le plaisir, mais je sais même pas si on peut le déglinguer à ce moment-là du jeu. Boum! Ah si! Ah. Eh, du coup il est de retour hein! Eh, il est revenu vite hein lui! Aucune chance de survivre contre lui, je crois. Ouais, vu les dégâts que je fais. Alors déjà, en plus, elle peut pas crever comme... Ah si. Oh putain. Je savais pas qu'on pouvait la tuer. Bon ben voilà, ça s'est fait. Alors, hop. Vache. Vite, de la drogue. Où sont mes drogues?
tout goûter, putain! Oh pardon mon toutou. Putain, lui non plus je pensais pas qu'il pouvait mourir là. Ah non, Kanegu peut pas mourir. Kanegu il est immortel. Voilà, ah, ça fait du bien en air. Oh, ben, je m'attendais pas à survivre en duel contre le paladin Tense. Avec mon petit niveau 15 et des armes pas au top. Je crois que même Mie elle est choquée là. De quoi, what? J'ai l'impression que les gens sont surpris de quelque chose, mais je sais pas de quoi. Que Kanegu est immortel? Ok. Donc voilà, rechargeons la partie, tranquille pépère. Hein. Et donc on va suivre notre... ce cher, charmant paladin. Arc 7 n'est pas loin d'ici, vers l'ouest. Cette route devrait nous permettre d'éviter le gros de la meute de groupes sauvages qui infeste Cambridge. Putain, si j'avais su, j'aurais quand même pioncé un petit peu. Donc là, oui, la météo est vraiment dégueulasse, parce qu'il y a une tempête radioactive qui devrait pas tarder à tomber, ou alors je suis juste à côté, parce que je prends pas de radiation pour l'instant, donc je touche du bois. Il y a Nego qui a encore trouvé quelque chose. Ah d'accord, non, c'est Danta et Mie qui étaient surpris de ma survie. Ne vous inquiétez pas, j'étais le premier surpris. Hein. Alors, ah, une nouvelle pièce d'armure de torse. Que je vais garder un long moment celle-là. Et en plus, voilà, plus 12 en défense. Ça sera pas de trop. Vous notez, le paladin Dance vient de dire là que là il y a 4 de ses hommes qui sont déjà morts. Je vous renvoie à ce qu'il a dit tout à l'heure en disant qu'il lançait jamais une mission sans être sûr que ses hommes pouvaient revenir, enfin blablabla. Je suis un peu moins confiant là. Je sais pas. Mais subitement j'ai envie de faire demi-tour, rentrer dans ma maison.
Vous avez entendu ça? Ah non, les mouches. Oh bah d'accord, écoute. Écoute-moi si... S'il peut me servir de tampon pour éliminer les mouches bouffies, moi ça m'arrange. Alors je sais pas, je crois que c'est Ney qui s'est acheté récemment Fallout 4, donc j'espère que tu vas pas te faire tout spoiler ou quoi. De toute façon, on va sûrement pas prendre les mêmes décisions, toi et moi, donc ça te permettra de voir les choses différemment. Ah si, 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 ça tente de t'acheter une maison, je suis en train de la reconstruire. C'est tout. C'était nul, Millet, c'était nul, je la citerai même pas. Alors attends, de temps en temps ici il y a quelque chose, mais... Ah ben pas cette fois. Alors au passage, vous allez pouvoir aussi constater que... Donc vous avez déjà vu que j'avais modifié... Enfin, j'ai installé un mod, hein, c'est pas moi qui fais le mod. J'ai modifié le look des ghouls par rapport à la version de base du jeu. Les ghouls ne sont pas les seuls monstres, enfin les seuls ennemis que j'ai, qui ont été modés. Donc vous allez voir d'autres créatures. On va pas spoiler ce que c'est. Qui ont été bien modifiés, qui devraient faire plaisir aux plus anciens d'entre nous. Parce que ça reste cohérent par rapport à l'univers de Fallout, mais... note à moi-même, faudra vraiment que je trouve un fusil d'assaut. Sur mes gardes. Bien, on avance. Oh, ça viendra, ça, cet Anta. Les modes d'armes, il y en a déjà des intéressants. Vous en verrez bientôt une, voire deux. Ça dépend si j'ai de la chance au drop. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'amusait à recréer le flingue de Blade Runner. Et à bien le recréer. Hein. Et donc, ben, et je l'ai installé, le mode, hein, forcément. Le flingue de Blade Runner, il est juste tellement badass. Boum boum boum, des briquets, il y a de l'huile dedans. Essayez d'ouvrir cette porte pendant que je sécurise la zone. Ah ouais, ça y est, on y est. Alors, ici, il y a une holobande. Terminal d'analyse du laboratoire, je crois que c'est celui-là pour ouvrir. Voilà, j'ai obtenu le mot de passe. Mon dieu, des synthétiques! Bouh! Ça, c'est de la réussite critique, les gars. Oh putain, et lui il fonce dans le tas comme un gros malade.
J'ai modé leur apparence pour qu'ils aient un rendu chromé et les yeux rouges comme comme dans Terminator. Et ça rend putain de bien. Et vu que pour l'instant les développeurs de jeux n'ont pas l'air vraiment décidés à nous donner des bons jeux Terminator. Donc bah oh, c'est toujours bien d'avoir au moins des bons mods Terminator. Ouais. Et le dernier bon jeu Terminator qu'il y a eu, c'est sur Sega CD si je me gourre pas. Ça fait un bail. Voilà, Sega CD c'était il y a quoi, il y a 20 ans ? Mon ami me donnera la date exacte sûrement, mais je crois que c'était ça, c'était il y a 20 ans quoi. Si, malheureusement, Valentine, donc c'est un autre. C'est un. Oui, voilà, la méga CD. Valentine, donc c'est un autre personnage qui est un synthétique mais amical. Bon, bah, malheureusement, avec le mode, il a aussi un peu chromé et les yeux rouges. Mais bon, ça. Pour l'instant, j'ai pas réussi à modder à modifier le mode pour que ça n'arrive pas à ce personnage-là. Mais enfin bon. Oui, bon, effectivement, il faut aimer les shots en 2D, mais putain, rien que la bande-son de ce jeu, le Terminator sur Mega CD, c'est... C'est littéralement un jeu, tu peux écouter la bande-son, ça sonne pas comme une bande-son de jeu vidéo, ça sonne juste comme une putain de bande-son rock, quoi. Je crois que Nail avait streamé à un moment... le jeu... Donc, Putain, ce paladin à la con. Parfait. Bon, moi je récupère un magazine Tesla. D'accord. Bah je sais pas si du coup tu comptes faire le reste du jeu, Nail 1C4, ou c'était juste comme ça. Est-ce qu'il a streamé qu'une partie du jeu? Ça sera pour plus tard par là. Hop. Ah bah en fait non, ça sera pour maintenant. Ah ouais, non mais le paladin c'est... C'est un paladin quoi. J'ai envie de dire... Ah, il est à fond, quoi. Nous approchons de l'objectif. Ok. Bah, en tout cas, moi, Nail, j'ai pas encore réussi à totalement le finir, le jeu, là, le Terminator sur Mega CD, mais si j'arrive à le terminer, je le streamerai peut-être. Non, c'est en... Par contre, je vais lui faire une farce au Paladin Dance. J'ai découvert ça à mon précédent run. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ce truc-là. J'ai hurlé de rire. Donc, y a moyen de faire une sacrée farce au Paladin. Oui. Oui, je pense à ça aussi, Mie. C'est quand le paladin se dit c'est comme ça qu'on se bat en confrérie en fonçant comme un malade mental, c'est plutôt inquiétant. Allez explorer la zone de maintenance. Je reste ici pour couvrir nos arrières. Ok, Nail, bah alors je verrai pour streamer Terminator Sega CD à l'occasion. Mega CD. Pourquoi je dis Sega CD moi?
Poum 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 poum. C'est bon. Alors, je suis à 150 sur 255, ça va. Ça va, ça va, ça va. Alors, hop, on récupère un réacteur à fusion pour alimenter mes armures. Et alors, c'est reparti pour ce mini-jeu. Génial. Voilà. Ah, Sega CD, c'est la version américaine, voilà, c'est pour ça que ça me dit quelque chose. Alors. Voilà, donc là, j'ai activé le truc. Et alors, vous allez voir. Voilà, les synthétiques arrivent. Alors, ce que je fais, c'est que je ferme la porte. Et alors, regardez, je vais lancer le réacteur de la fusée. Je savais pas du tout, mais regardez ce qui va se passer, ça va être joli. Allez. Mise à feu expérimentale terminée. Rapport d'efficacité 96,7%. Bon, alors malheureusement, du coup, on n'a pas l'XP de tous les ennemis qu'on vient de tuer là. Mais putain, ça vaut le coup, quoi. Et donc, du coup, ça donne un dialogue en plus. Oh, c'est pas vrai. Vous allez bien? J'ai l'impression d'avoir été passé au barbecue, mais... J'ai été sauvé par mon armure assistée. Le plus important, c'est que vous soyez encore en vie. Et l'émetteur est à portée de main maintenant. Allons-y. Voilà, donc du coup... Loot gratuit. Heureusement quand même le paladin Dance, il est pas rancunier pour un rond. Oh, je suis désolé, je voulais pas vous cramer la gueule. Non, oh, c'est rien. Ça m'arrive tous les jours. Hop, on récupère plein de trucs parce que ça servira de matériel ou à revendre. Et voilà, comme ça, si vous galérez sur cette quête... dans votre partie ou quoi, il y a cette solution. Certes un peu brutal, mais... Bon. On va prendre l'ascenseur, hein, puisque Paladin Dance lui freine. Parce qu'il est... Alors, c'est tantôt. Le synthétique, là... Enfin, il y en a certains qui n'ont pas cramé, simplement parce que le... Ils ont été tués avant. Et bah, des fois les modèles 3D ne suivent pas exactement l'animation de la fusée. Ça fait une sacrée économie de cartouche le fait de foutre le feu à la... Enfin, d'allumer la fusée. Alors, c'est quoi ça? Non. N'empêche, le mode Terminator, je le trouve vachement bien fait, quoi. Je veux dire, on reconnaît bien
nos petites saloperies là. Voilà. Il veut bien monter dans l'ascenseur, le paladin ? Non ? Voilà. Bah t'auras qu'à monter à pied. Non, je déconne, il va se téléporter, voilà. Oh ! Et ben alors, Nané, qu'est-ce qu'il y a ? Forme une belle équipe. Affirmatif. D'habitude, les civils sont incapables de suivre des ordres simples. C'est un changement agréable. Il nous reste deux points importants à régler. Première chose, si vous voulez bien me remettre l'émetteur longue portée, je pense que cette arme vous donnera entière satisfaction. C'est un fusil laser standard de la confrérie, modifié par les soins. J'espère que vous ferez. Merci. Non mais ça va pas la tête, attends. J'aime bien la manière dont il présente le choix quand même, c'est en gros tu veux être une merde ou tu veux bosser avec nous? Ouais. Tact? Je sais pas. Non sérieux? Tact mec. C'est... Je suis sûr qu'il aurait beaucoup plus de... Comment dire? De volontaires si... Hop. Bon, par contre, j'ai récupéré un flingue pas trop dégueulasse. C'est, enfin, c'est, ça dépend. Il est efficace, hein, mais c'est surtout son effet spécial qui le rend intéressant. C'est que ce flingue-là a une capacité unique, c'est que quand on tire en mode VAT, donc au ralenti là, on charge deux fois plus vite la jauge critique à chaque tir réussi avec cette arme-là. Équipé. Donc c'est plutôt pratique si on doit si on veut augmenter vite fait sa barre de critique pour être à l'aise. Après personnellement je suis pas vraiment fan des armes laser, mais bon, toujours pratique d'en avoir une. Et pour répondre à la question de cet Anta qui demande comment ça se fait que l'armure ne fait pas un boucan monstre à chaque pas, si elle en fait du boucan, c'est juste que généralement je me tenais assez loin. Mais elle fait du bruit. Elle fait pas autant de bruit qu'on pourrait croire, vu le poids du machin. Mais elle en fait. T'inquiète pas, quand j'utiliserai la mienne, t'entendras bien que ça fait du bruit.
Alors, on va rentrer directement à Sanctuary, déposer tout le bordel. Et si Carla est là, je vais pouvoir me permettre de vendre tout ce que j'ai looté. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Alors du coup maintenant je vais vous laisser le choix, est-ce que je continue les quêtes normales ou est-ce que je lance l'extension? Parce que maintenant j'ai le niveau pour, ça va être piquant mais j'ai le niveau pour. Donc c'est vous qui voyez si ça vous tente de voir l'extension directement. Moi j'aime bien l'extension donc voilà. Hein, ça... Mais du coup, je laisse le choix au viewer. Sinon, on se rend à Diamond City. Là, pour l'instant, j'aimerais bien que l'autre... Alors, l'extension, c'est l'automatron. C'est en tas, donc c'est... En gros, il y a un type qui s'appelle le mécaniste qui arrive avec son armée de robots et tout. Et il est... Ça fout le boxon. Encore plus que d'habitude. Et donc, ben, en gros, on va devoir aller trouver le mécaniste et lui ratatiner la gueule. Ah, mais j'en ai déjà une d'armure assistée, c'est juste que je m'en sers quasiment pas parce que je suis pas fan des armures assistées. Enfin, si, j'aime bien, mais... Salut, Carla. Il faudra vraiment que j'avance beaucoup plus dans le jeu pour les travailler mieux. D'accord, voyons ça. Voilà ce que j'ai... Tout simplement pour histoire de qu'elle soit utile. Là, ce que j'ai, c'est un vieux coucou, tout fragile, à peine en état de fonctionner, quoi. Combat shotgun, ça c'est bien. Et surtout, l'extension va nous permettre de créer des mechas. Enfin, oui, des mechas, on va le dire comme ça. On va pouvoir créer des robots. Oula, et oh, qu'est-ce que j'ai pris là qui coûte aussi cher? Qu'est-ce que j'ai acheté qui coûte aussi cher là? Parce que là, j'ai oula. Ah, c'est ça que j'ai... Attends. Réinitialiser, voilà. Ah oui, en fait, je pensais que j'avais plus d'argent que ça, mais non. Non, j'ai pas tant d'argent que ça, en fait. Ben, je ne sais pas où Sumi et Mayana veulent voter pour ce qu'ils veulent voir eux. Ils sont les bienvenus. Mais sinon, c'est un test, n'hésite pas, hein, tu peux voter aussi, tu as le droit. Hein. Alors, on va travailler le nouveau shotgun.
Et salut Let's Gamer! Alors hop. Donc Let's Gamer, là comme ça vu que tu viens de débarquer, je laisse là au choix au viewer, donc toi compris, le choix entre l'extension ou continuer la quête principale, donc se rendre à Diamond City. En ce temps-là, j'en profite. J'améliore mon shotgun et donc celui-là, je peux le démonter. Je n'en ai plus besoin. C'est triste. Voilà, mais bon, un shotgun avec 8 cartouches dans le chargeur, c'est quand même toujours plus intéressant. D'accord, personne ne veut prendre la décision. Hein. Je sais pas, ils ont peut-être peur de se prendre des coups. Ah tiens, c'est un tas, donc tu vois, ça c'est vraiment l'armure que j'ai pour l'instant, c'est un tas de boulons. Elle fonctionne, mais voilà, à peine. En plus, j'ai pas beaucoup de réacteurs pour l'alimenter pour l'instant, donc elle risque de tomber en rade si je la prends en mission. Bah je sais pas, Mie, si tu veux voter toi. Ça, vous avez une sacrée imagination. Mais sinon, ouais, bon bah je crois que je me lancerai sur l'extension quoi de toute façon. Juste racheter encore un peu de munitions. Encore vous ? Alors on fait affaire ? Si elle a quelque chose pour mes armes. Bah, calibre 12, oui. Bah, de toute façon, c'est tout ce que je pourrais acheter. Juste quand je dis que je vais faire l'extension, c'est un vote pour Diamond City. Bon, bah, ok, Diamond City. Hein. Oh, c'est troll. Alors, on va accélérer le truc, on va se rendre au commissariat. Ah, et Mie vote pour l'extension. Bah alors ce que je vais faire, je vais aller à Diamond City récupérer Piper. Et comme ça j'aurai un compagnon autre que le chien. Et après ça, on fait l'extension. Voilà. En même temps, comme ça, il faut arriver à Diamond City, ça me permettra aussi de faire du stock. Peut-être. Mais te barre pas toi! Voilà. Non mais oh!
qu'est-ce que c'est que ça? Ces gens qui refusent de mourir. Ah oui, les gamers, oui, ils sont vraiment bien là. Hein. J'essaie de ne pas looter les armures des ennemis. Parce que sinon cet Anta risque de voir des choses qu'il n'est pas censé voir à son âge. Puis surtout on risque d'avoir des problèmes avec Twitch. Ou YouTube. C'est-à-dire cet Anta que j'ai installé des nouveaux bodies pour hommes et femmes. Et que les bodies pour femmes sont sans sous-vêtements. Voilà. Donc oh bordel, c'est vrai que je tombe sur des légendaires. Ça c'est le must, tiens. Non, parce que, en fait, disons que c'est plus facile les femmes que les hommes dans ce cas-là, parce que, disons que pour les hommes, il faut modder la pièce. Si tu veux. Oh, je vois plus rien. Donc voilà, si tu veux, Mie, c'est pour ça que, pour les hommes, c'est pas encore là, c'est qu'il faut installer le modèle 3D... Mais ça sera bientôt fait, ça. Alors, les ennemis... les ennemis légendaires, c'est Anta, donc ce sont des ennemis qui ont un niveau supérieur au tien. Mais surtout, qui font plus mal que leur équivalent... Enfin, ils font plus mal, ils sont plus solides. Et ils ont la sale tendance de... comment dire, de régénérer leur vie une fois qu'ils arrivent à mi-vie. Mais par contre, ils dropent des armes légendaires, donc qui ont une stat, enfin, un effet spécial. Donc, où est-ce qu'il était le légendaire là? Non, Raider. Ce n'est pas Raiden, non, c'est Raider. Voilà, Rider Chase Pist. Alors, bah du coup, le truc légendaire que j'ai droppé, c'est quoi? Ah bah voilà, c'est ça. Donc tu vois, c'est un pistolet avec les dégâts accrus de 25%. Bon bah, ça me sert à rien, mais bon. Pour ceux qui utilisent les armes de ce genre-là...
C'est toujours sympa. Bon, par contre, j'ai chopé un fusil sniper en meilleur, de meilleure qualité. Qu'est-ce que j'avais avant, enfin ce que j'avais looté, donc ben voilà. Ça me dit vaguement quelque chose, mais c'était pas Raider, hein, c'est un autre. C'est Twix, de doigts coupe fin. C'est le... Ah putain de mine! Oh, ça fait mal en plus! Ah, ça y est, c'est tenté. Tu as vu Demolition Man. Voilà, donc là j'ai fait un petit détour pour avoir du looter de l'équipement. Et on continue vers Diamond City avec un nouveau fusil sniper tout neuf. Oh mais c'est génial, Demolition Man, voyons. Toute une époque. Oh putain! Bon alors, j'ai essayé de pas déglinguer les gardes de Diamond City parce que sinon je vais avoir du mal à rentrer dans la ville. Ah, l'histoire des trois coquillages. Un des plus grands mystères de l'histoire du cinéma. Ah bah après c'est sûr que Demolition Man c'est pas le genre de film qui apprend au premier degré quoi, c'est presque une parodie au final quoi, presque. C'est cheesy à mort, mais c'est pour ça que c'est bon. Alors hop 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 hop. Oui, ils l'ont expliqué, mais ils l'ont expliqué combien de temps après la sortie du film, finalement. Ils l'ont expliqué, c'est quoi, 20 ans après? L'interview était pas si... Oui, une parodie intelligente, on est bien d'accord, mais... Laisser entrer, mademoiselle Piper. Je suis désolé, je fais juste mon travail. Ah, vous
faites juste votre travail. Alors maintenant, pour protéger Diamond City, il faut me laisser dehors, c'est ça? Attention, c'est la journaliste qui fait si peur à tout le monde. Je suis désolé, mais elle paraît vraiment foudrage, Piper. Je l'ai entendu dire que votre article n'était qu'un ramassis de mensonges. Toute la ville est sans dessus-dessous. Bon, ça suffit. Ouvrez-moi tout de suite cette porte d'Annie Sullivan. Je suis ici, vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'entrer. Bonjour Piper. Là. Vous voulez entrer à Diamond City, pas vrai? Je viens juste d'arriver, mais oui. D'accord. Comment? Vous dites que vous apportez des marchandises de Quincy? Et que vous en avez assez pour approvisionner le magasin pendant un bon mois? Alors? Vous avez entendu ça, Danny? Alors, vous nous laissez entrer, ou vous vous chargez d'annoncer à cette folle de Myrna que c'est de votre faute si elle a pas toutes bon, ses provisions? D'accord. C'était vraiment un coup bas, Piper. Laissez-moi une petite minute. Entrons vite, avant que ce bon vieux Danny ne comprenne que c'était du bluff. Ça me va. Allons-y. Encore une belle journée à Diamond City. Ah non, mais c'est pas débile, Demolition Man, c'est cheesy quand on, mais si on lit le sous-texte, c'est autre chose, quoi. Le degré de malhonnêteté de votre journal est ahurissant. Je vais faire saisir votre presse pour la vendre en pièces détachées. Puis-je vous citer, monsieur McDonough, le maire tyrannique de Muselela? Pourquoi ne pas demander à cette personne qui vient tout juste d'arriver? Vous êtes pour ou contre la liberté d'expression? Parce que notre mère souhaite l'acheter à la poubelle. J'ai toujours défendu la liberté de la presse. Oh, je ne tenais pas à vous entraîner dans cette dispute, mon bon monsieur. Non, non, non. Vous avez l'air d'avoir tout à fait votre place à Diamond City. Bienvenue dans le beau diamant vert du Commonwealth. Une ville sûre et heureuse. Un choix excellent si vous comptez vous y installer ou même si vous avez juste de l'argent à dépenser. Ne laissez surtout pas cette petite fouille merde vous mettre ses idées tordues en tête. J'ai connu des accueils plus chaleureux. Là, il vous a bien eu, McDonald. Il faut croire que tout le monde ne se laisse pas embobiner par votre sourire de retour. Vous venez dans notre belle ville pour une raison bien précise? Ça ne vous regarde pas. Quoi que vous décidiez de faire, inutile d'aller voir la sécurité de Diamond City. J'en ai plus qu'assez, Piper. Dernier avertissement. Continuez comme ça et vous aurez des ennuis, votre sourire. Ça, continuez de parler, McDonough. Vous n'êtes bon qu'à ça, de toute façon. Un accueil typique de Diamond City de la part de notre mère. Quel honneur, hein? Écoutez, j'ai besoin d'un peu de temps pour me poser, mais passez à mon bureau tout à l'heure. J'ai une idée d'article vous concernant, ce serait parfait. Ah mais Bob l'assistant, il est magique, hein, il... Alors, c'est vous qui apportiez des marchandises? Non. Je n'avais pas l'intention de vous mentir, mais... était allé si vite. Ah, bien sûr. C'est même allé tellement vite que vous avez oublié les bases de la correction. Votre mère vous a jamais appris l'honnêteté. Ah, au fait, qu'est-ce qui vous amène? Ce sera un bon point pour moi si je... J'essaye de retrouver quelqu'un. Ah bon? Qui donc? Mon fils a été kidnappé. Il s'appelle Sean. Ce n'est qu'un bébé. Non, je suis vraiment désolé. Mais on a ordre de pas se mêler des histoires de disparition. Il y a beaucoup de paranoïa en ce moment à cause de l'Institut. Et une action officielle risquerait d'envenimer la situation. Vous imaginez si les gens se mettaient à paniquer? J'ai juste besoin d'un renseignement ou deux, Danny. Ça peut rester entre nous. Ok. Je peux au moins vous indiquer où aller. Officieusement, bien sûr. Une fois en ville, traversez-la et contournez le marché. Vous arriverez à une ruelle avec plusieurs enseignes au néon. L'agence de détective Valentine. Mais elle n'est pas vraiment appréciée dans le coin. Alors méfiez-vous. Merci de votre aide. Bonne chance. Essayez de pas vous attirer d'ennui. Hop là. Allez-y. Voilà. Un petit bonus d'XP du coup. Et donc nous voici à Diamond City. Bah, je rappelle quand même que Sean, il avait c'était un bébé, hein, Zizia Zedanta, c'est un bébé, hein.
Salut ma grande. Alors, le journal se vend bien ? La presse surchauffe en ce moment. Le moteur va finir par lâcher si on ne le remplace pas bientôt. Ça fait des semaines que tu me le répètes, mais cette vieille mémère continue de tourner. Arrête un peu de t'inquiéter. Bon, il faut que j'aille au bureau. Siffle, hein, si tu vois des politiciens en colère qui viennent par Pourquoi ici. Il y a un problème ? Walter ! Le journal est gratuit pour les étrangers. Comme ça, si l'Institut vous enlève dans la nuit, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Mmh. Merci. Je rigole pas. L'Institut enlève vraiment les gens. Vous feriez bien de lire le journal si vous comptez rester dans le coin. Je te crois. Merci. Vous faites vraiment penser à un agneau égaré dans l'antre du loup, monsieur. Sale petite conne. Enfin bon. Donc oui, on peut vraiment lire le journal, etc., etc. Bon, je vais pas vous faire la lecture de ça, déjà parce que je lis pas aussi bien que Mie ou Mayana quand eux font la lecture, mais bon. Surtout comme ça, je l'avais dit à fois passé, comme ça vous avez des choses à découvrir quand vous jouerez au jeu vous-même. Alors, où qu'elle est la Piper? Ah ben elle est là. Ça fait plaisir de vous voir. Vous tenez le coup, Blue? Pourquoi vous m'appelez Blue? Parce que vous venez d'un abri. Vous ne portez peut-être plus votre combinaison bleue, mais votre Pip-Boy et cette tête de poisson hors de son bocal, ça trompe pas. Alors voilà ce que je vous propose. Je veux une interview. L'histoire de votre vie. Il est temps que Diamond City voit un peu comment on perçoit le Commonwealth de l'extérieur. Acceptez et... Je vais vous dire. Je vous accompagne. Comme ça, je couvrirai vos arrières pendant que vous vous habituerez au monde de la surface. D'accord, Piper. Ça me va. Bien. Mettons-nous au travail. Bien. Je sais que vous venez d'un abri. Comment décririez-vous votre séjour à l'intérieur? On a été cryogénisés, ma famille et moi. Je n'ai pas passé beaucoup de temps dans l'abri. Attendez. Vous avez passé tout ce temps dans un frigo? Vous voulez dire que vous avez vécu avant la guerre? Contempler un être qui a atteint l'immortalité, humble mortel. Vous savez, c'est un peu vrai, quelque part, non? Oh, bon sang. L'homme venu du passé. Donc, vous avez vu le Commonwealth et Diamond City. Qu'en pensez-vous par rapport à votre vie d'avant? Je crois que c'est difficilement comparable. Le monde actuel n'a rien à voir avec celui que je connais. Vous vous sentez un peu nostalgique, hein? Difficile de vous en vouloir. Et maintenant, la grande question. Pourquoi venir à Diamond City? Vous cherchez quelqu'un, n'est-ce pas? Qui donc? Mon fils, Sean, a été enlevé. Il n'a même pas un nom. Le parent qui cherche son enfant disparu. Une histoire toujours aussi émouvante, quelle que soit l'époque dans laquelle on vit. Dites-moi, pensez-vous que l'Institut soit impliqué dans cet enlèvement? Je ne sais pas. Personne ne sait jamais. C'est ça qui rend l'Institut si inquiétant. Pour la dernière partie de notre interview, j'aimerais passer à quelque chose de différent. Vous voulez bien faire une déclaration à l'intention de Diamond City? On évoque rarement les kidnappings dans le Commonwealth. Les gens préfèrent penser que ça n'arrive jamais. Que diriez-vous à quelqu'un qui a perdu un être cher, mais qui a trop peur ou qui est devenu trop apathique pour se lancer à sa recherche? Il faut trouver les responsables et leur faire payer. C'est aussi simple que ça. Je préfère la colère à l'apathie. Ça me plaît comme conclusion. Merci, Blue. Voilà, c'est tout. Il va me falloir un peu de temps pour rédiger l'article, mais je pense que votre histoire va faire parler les gens de Diamond City. Enfin bref, j'ai accepté de vous accompagner pour couvrir vos arrières, pas vrai? Prévenez-moi quand vous voudrez y aller. Je suis impatiente de découvrir le prochain chapitre de l'histoire. Voilà, une petite interview qui effectivement aura des conséquences. D'accord, allons-y. Ça marche. Désolé, mon grand. Il est temps de rentrer chez toi. Voilà, donc je renvoie Kenigou. Il connaît le chemin. Hey. Et je peux surtout déséquiper cette casquette affreuse à Piper pour qu'on voit qu'elle a des cheveux super longs avec le mod. Nounours. Oui, j'ai pas de pitié, même aux gosses, je leur pique leur peluche. Ah
Alors pour ceux qui ont pas, qui l'ont jamais fait ou qui ont, je vous conseille de lire le terminal de Piper quand vous aurez l'occasion. C'est très cocasse parce qu'elle elle répond au courrier des lecteurs et au, etc. Et c'est très drôle parce que le personnage est très sarcastique et c'est super plaisant. Mie qui dit qu'un bébé c'est une arme de destruction massive. Ah, c'est sûr qu'au niveau de l'odeur et du son. Grand, bruyant et surtout plein de dirigeants corrompus et d'habitants lèche-cul, mais c'est chez moi. Oh, salut. Bonjour. J'ai pas le droit de parler aux gens que je connais pas. Waouh, vous êtes pas une demi-portion. Quelqu'un ici. Mie qui demande si je piquerai les peluches de notre gosse quand on en aura un. No comment. Alors, hop. Encore un autre dossier à ouvrir. Vous avez mal quelque... Il coupe les cheveux moi-même. Et s'il y a un sujet que je connais, c'est bien celui-là. C'est bien ça le problème, John. Avec ces saletés, impossible de voir la différence. C'est pas à moi de vous dire comment choisir ça. Mais Piper est une sacrée faiteuse de trucs. Allez, je m'inscris. Si vous voulez gagner du temps, contentez-vous de répondre oui. C'est tout ce qu'elle comprend. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, je m'inscris. Raconte-moi une blague. Allez, je m'inscris. Oui. Voilà. Le mec qui vend des nouilles. Enfin, le mec, le robot qui vend des nouilles. Vous êtes nouveau, pas vrai? De nouveau? Que voulez-vous que je vous dise? Les nouvelles vont vite à Diamond City. Je m'appelle Arturo Rodriguez. Si vous avez besoin de protection, on peut en parler. Rodriguez. Je vais jeter un coup d'œil. Alors, donc, on vend... Aussi... non, on vend pas ça. Ah si, 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 en fait, c'est... Parce que le autre je l'ai déjà modifié, ça en vend, ça en vend. Je suis en train de me faire tailler un costume là avec ses sourds de nounours, moi sur la chatbox. Mais je pointe pas mon arme, c'est juste que j'aime bien la garder dégainée, c'est tout. Non, du coup c'est trop cher, c'est trop cher. Alors, on va déjà acheter ça pour Piper. Alors. Hey. Poum, poum. Non, si. Signe. Voilà, tout de suite Piper est déjà un peu mieux équipé. Hey. Donc, en fait, l'armure de combat, c'est. Ça rend pas bien avec ce costume. Qu'est-ce que vous avez pour moi? Commonwealth Weaponry, nous sommes là pour... Quand on accorde une grande importance à la sécurité, un fusil à longue portée permet de rester à l'heure. Quelques minutes pour jeter un œil. Il y en a pour tous les goûts.
paraît qu'il y a un bar réservé aux pillards dans le quartier du théâtre. La fosse. Je ne m'en approcherai pas si j'étais. Alors, voilà, quelqu'un m'a parlé de la fosse, ça j'irai plus tard. Gardez vos distances. Gardez votre calme. Je ne bouge pas. C'est exactement ce que dirait un synthétique. Mais. Je sais pas. Êtes-vous vraiment un être humain? Ça ne fait aucun doute. Bon, je veux bien vous croire, mais je vous ai à l'œil. Et croyez-moi, j'ai des yeux de. Disons juste que rien ne m'échappe, compris? D'accord, on peut faire affaire. Voyons ce que vous avez là. N'allez surtout pas dire qu'il s'agit de bric-à-brac sans valeur. Ouh là là! Mademoiselle s'est levée du pied gauche là. Alors, ça, il va falloir que j'en achète un, donc du coup, il va falloir que je vende des trucs. Parce qu'il va me falloir mon fusil d'assaut. Hein. Maintenant, là, je peux plus vraiment faire sans. Vu qu'après, je vais faire l'extension, ça ne sera pas vraiment négociable. Alors, vous inquiétez pas, Diamond City, on aura l'occasion largement de fouiller la ville et tout, il y a plein de quêtes à trouver. Voilà, il y a un NPC qui m'a parlé au loin, donc on l'a pas entendu malheureusement, et qui parlait du coup du musée de la du musée de la sorcellerie à Salem. Donc c'est un endroit qu'on peut aller visiter aussi dans le jeu. Pas maintenant. Pas maintenant. Mais la quête est sympa, même si elle est très courte malheureusement. La quête de Salem est sympa. Alors, le nounours, si honteusement volé. Non, en fait, non, je m'en fous. Alors, ça, j'ai pas encore le niveau pour modifier. Alors. Ah, il va pas être trop dégueulasse comme fusil. Hop, 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 non, 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 merde, ça a lancé la quête.
Alors Preston, le problème c'est que dès qu'on approche de lui, à partir du moment où on a accepté d'être leader des miliciens, il nous donne des quêtes, quoi, comme ça. Tout le temps, hein. Juste aussi poser un truc. C'est... Est-ce que j'avais... Je pensais, si tu as du temps plus tard, ça te dirait d'aller faire un tour le long de la rivière? Je peux pas, j'ai trop de boulot. Oh. Je peux t'aider si tu veux. Non, tu vas faire n'importe quoi et il faudra que je repasse derrière. Ah bon. Excuse-moi, John. Attends, laisse-moi finir ça et on ira se balader après. Hop, on va remplacer les melons par les tomates parce que... C'est quand même un peu mieux niveau bouffe. Et en plus, ça me fait level up. Si ce type a beau. Tiens, il y a un peu de maïs aussi. Comme ça, on pourra faire des popcorn. Sauce bolo. Youpi! Et je veux pas entendre de commentaires sur le niveau de bouffe, hein, parce que bon, on fait ce qu'on a. Ah oui, j'ai pris un level. Je me demandais... Et c'est pas un instant, j'ai eu un pet de cerveau, je savais plus ce que je devais faire, mais si, si... Prendre un level... pas encore. Alors on va continuer la montée en charisme tout doucement. Parce qu'au niveau 10 en charisme, on peut débloquer un skill qui permet de braquer les ennemis. Ce qui donne des chances en fait de les pousser à arrêter le combat. Et à plus haut niveau, enfin une fois qu'on améliore ce skill là, on peut carrément les retourner contre leurs alliés, etc. C'est plutôt sympathique. C'est un petit peu comme dans Metal Gear, quoi. On peut leur faire les poches, mais bon, là il y a le risque qu'ils se retournent contre nous, quoi. Forcément. Voilà, bon ben on est paré, on va donc ouvrir la radio, la station de radio pour la fréquence d'urgence. Ceci est un message d'urgence. Notre caravane est attaquée par des robots hostiles et a sérieusement besoin d'aide. Nous trouvons à l'est de Watts Consumer Electronics. Si quelqu'un se trouvant dans les alentours peut venir à la rescousse, qu'il se dépêche. Ada, répète ce message en boucle. À vos ordres. Voilà. Donc maintenant la quête a officiellement commencé. Alors on va se balader. Donc je vais prendre le raccourci par ici. Donc alors. Je vous le dis d'avance, je vais mourir plusieurs fois hein, maintenant. Parce que l'extension rajoute plusieurs nouveaux types d'ennemis, dont certains qui ont tendance à exploser après leur mort. Mais il n'y a rien qui indique lesquels le font, lesquels le font pas. Donc ça va arriver qu'en approchant d'un cadavre ennemi pour looter, ben boum. Donc je vais sauvegarder le plus souvent possible aussi. Pour éviter de violentes déconvenues. Mais bon, voilà quoi. C'est par là. Alors pareil, là sous l'eau. Attendez, je vais vous montrer ça en hauteur. Là, donc il y a un avion écrasé. Et en fait, là, c'est Mayana qui avait trouvé ça au début du. Quand je venais de sortir. Il y a une armure assistée là-bas. Donc si vous voulez commencer une collection d'armures assistées. Bah, voilà déjà un spot. La semaine passée, j'en avais montré un autre. Donc il y aura de quoi faire.
Ma première partie, j'en avais plus d'une vingtaine d'armures à force. Entre celles que j'avais achetées, celles que j'avais volées et celles que j'avais trouvées, il y avait de quoi faire. Bon allez, on va presser le pas un petit peu. Que sinon, on n'aura même pas commencé l'extension qui sera déjà temps d'arrêter de streamer. Ce qui serait quand même dommage. Mais non, c'est un tas, j'ai pas de... J'ai quoi? J'ai deux ou trois réacteurs à fusion. Donc elle va tomber en rade au milieu de nulle part. Et alors là, bonjour pour la ramener quoi. Et je te dis, pour l'instant, les armures assistées... À bas niveau, les pièces, en fait, si tu veux, les pièces d'armure assistée dépendent de ton niveau. Donc, si je veux commencer à aller chercher des pièces d'armure assistée vraiment sympas, il faut que j'attende niveau 20-25. Je tourne en rond dans ce machin. Ah non, j'ai oublié. Attendez, excusez-moi. Je reste en pause deux secondes si vous avez entendu du bruit. Ok. C'est que j'ai juste oublié de prendre mes médicaments pour le dos. Parce que sinon j'ai mal. Voilà. Et c'est Millet qui me rappelle ça, parce que Millet elle fait attention à son chéri. Voilà, petite pause du coup, pause médoc. Bon alors du coup vu qu'on est ici entre gens qui se connaissent, bon ben je vous l'annonce tout net, j'ai un gros problème au dos qui veut dire qu'il va probablement falloir opérer, donc je vous tiendrai au courant, mais voilà. Ça fait à peu près 2 ans que j'ai une douleur violente dans le dos et maintenant on a enfin su ce que c'était. Ce sont les disques dorsaux qui ont une dégénérescence. Merci Géry. Voilà. Hop. Qu'est-ce que c'est? Oh non, 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 non. Je déteste ces bestioles. Tu vas voir qu'il y a, il y a quelqu'un qui va créer un mode pour remplacer ça par l'effet Sugger d'Alien. Oh, je m'inquiète pas plus que ça hein, pour le dos, hein. Faut pas vous inquiéter non plus du coup. Bon ben on va ouvrir, remplacer, enfin mettre un montage et puis au revoir et merci quoi. Enfin oui non c'est pas un montage exactement, Millet m'a expliqué ce que c'était mais... Très grave, bah non mais il faut traiter quoi. Voilà, c'est encore au début là, donc il n'y a pas. Je veux dire, oui. Je dois pas courir maintenant. Voilà, comme dit Millet, c'est une opération lourde, mais ce n'est pas grave en soi, quoi. C'est juste que oui, bon, ben on va devoir m'ouvrir, quoi. Et remplacer les pièces. Je vais être un putain de cyborg! C'est ça, j'étais jaloux de... C'est ta jalousie qui ressort. C'est ça, c'est parce que j'étais jaloux, Mie avait été opéré du dos et moi pas. Alors, Badia, vu que j'ai pas encore fait de fail aujourd'hui, je viens de me rendre compte que j'ai fait un fail. J'ai revendu toutes mes munitions de fusil sniper.
Donc j'ai un fusil sniper, plutôt efficace, mais j'ai pas de balles. Pas une seule. Nada, que dalle. Bon bah... voilà, hein. Les gens aiment bien quand je fais des fails. C'est fait. Bon, alors, il n'y avait rien ici, on redescend. Allez, c'est parti. Donc là, il va peut-être avoir un ou deux petits lags dans le jeu parce que l'apparition des ennemis de l'extension est un peu brutale. Qu'est-ce que je disais ? Ça pète de partout. Donc on va. Voilà, c'est bon, j'ai des grenades équipées. Merci, merci, Zetanta. Il applaudit pour mon fail. Oh putain. Alors là vous voyez, celui-là il a carrément une tête de mort à côté de son nom. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de mon niveau. Donc il peut être potentiellement dangereux, voire mortel. Donc on va faire attention. Hein. Putain, il m'a enlevé les trois quarts de ma vie quoi. Oh putain. Voilà, je vous l'avais dit, je vais mourir quelquefois. Je crois que même que j'ai baissé la difficulté d'un cran pour qu'on puisse quand même faire l'extension. Parce que je l'avais fait avec un personnage niveau 40 et des brouettes. Et j'ai eu mal. Donc j'ai baissé la difficulté d'un cran juste le temps de l'extension. Histoire qu'on puisse la faire quoi. Merde, j'ai sauvegardé quand, moi. J'espère que j'ai sauvegardé il y a pas 107 ans, quoi. Ah bah si, j'ai sauvegardé il y a 107 ans. Parce que sinon, c'est pas drôle. Enfin, non, 107 ans, non, je déconne. Bon, on va rester, donc on va descendre en facile. Et bon, moi, du coup, je vais... Ouais, je vais racheter mes munitions de sniper. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Putain, elles sont chères. Elles sont chères ces munitions. Voilà. Bon, j'en aurai que 29, mais... Clac. Trouver la caravane. Ah oui, je regrette d'avoir failed, là. Bah ça va arriver quelques fois parce que bon bah je vais me balader quand même avec plusieurs types d'armes différents, donc plusieurs types de munitions. Et soit j'en aurai pas assez de certains, soit bah je vais pas faire gaffe, je vais vendre un type de munitions, ça m'arrive tout le temps. Les seuls que je vends jamais c'est 10 mm parce que c'est généralement l'arme que j'utilise le plus. Mais là avec l'extension... le 10 mm c'est pas assez. Ah oui, non, mais c'est complètement la saga du fail avec moi. Il y a pas... On a de la compétition. Putain, mais pourquoi je tombe? Pourquoi je pop à côté des pillards, moi? Oh putain, il est efficace le fusil sniper, putain. Hop.
vache. Wouhou. Allez, bouge, bouge, bouge. Nya 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 nya. Oui, je suis le Fail King. Et alors? Je suis comme le roi Richard dans Galavant. Je fail, mais qu'est-ce que j'ai la classe? Alors j'essaie de rester assez loin de... De quoi, le Fail King? Ou le roi Richard? C'est vrai que le roi Richard, il tient bien de toi aussi, hein. Il y en a. Ouais, mais il va falloir améliorer la barbe. Ah, regarde. Putain, je déteste ces putains de mouches. Ah, putain. Le Fail King, oui, bah, en même temps, pour l'instant, vu que je fail tellement en stream... Je crois qu'on va se partager le titre, tout simplement, pour l'instant, parce que... non, ok. Donc je disais, oui, j'essaie d'éviter d'aller trop près de certaines localités pour l'instant, parce qu'il y a un événement aléatoire, mais pour moi il n'est pas si aléatoire que ça, parce que je me suis payé 4 fois sur 4 runs, où tu as une armada de zombies qui ont tous un nom et un prénom. C'est genre tout le village là qui t'attaque d'un coup et ça fait mal. Ça fait hachement mal. Ah, on avait une voiture tombée du ciel. C'était rigolo. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de drogue. Amenez-vous. Voilà, je serai plus résistant et je ferai plus de dégâts pendant une heure in-game. Donc 5-10 minutes. Cette quête d'introduction est sponsorisée par Michael Bay. Sous de nombreux aspects. Il a installé toutes mes améliorations actuelles.
Malheureusement, elles n'ont pas suffi à les protéger des robots. Tu as été amélioré ? Oui, j'ai été modifié à l'aide d'un établi de robots conçu à partir de schémas prototypes et permettant d'effectuer de nombreuses modifications. Si j'avais plus de défense s'inspirant des robots sentinelles, j'aurais été en mesure de protéger mes amis de ces robots. Parle-moi de ces robots. Ils parcourent le Commonwealth et prétendent restaurer l'ordre. Nous les avons vus affronter des pillards, mais ils attaquent aussi des innocents, des colons, des marchands et des caravanes comme la nôtre. Nous savions qu'il y avait un risque de nouvelles attaques de robots hostiles si nous restions dans le Commonwealth. Nous aurions dû décider de partir. Ce qui s'est passé était totalement imprévisible. La probabilité qu'une attaque survienne était élevée. J'aurais dû obliger tout le monde à partir. En guise de récompense, je vengerai mes amis et j'empêcherai ces robots de faire d'autres victimes. Le moment est venu de découvrir d'où ils viennent et d'affronter leur chef, le mécaniste. Le mécaniste. Oui, le mécaniste. Tout ce que je sais, je le tiens des messages de l'iBot. Il prétend servir la paix et la justice, mais c'est faux. Notre seule certitude est qu'il s'agit de robots de mort. Vous avez montré une certaine volonté d'aider les autres. Je vous demande de m'aider à arrêter ce mécaniste. En retour, je vous donnerai les plans pour construire votre propre établi de robots. Vous bénéficierez ainsi de ressources supplémentaires. Tu cherches à te venger. Je dois admettre que mon objectif est double. Arrêter le mécaniste me permet de protéger le Commonwealth tout en vengeant mes amis. Au nom de mes compagnons, je suis prête à me sacrifier pour mettre un terme à cette menace. Le dernier groupe de robots du mécaniste que nous ayons croisé se trouvait à l'usine General Atomics. Nous trouverons peut-être des informations qui nous conduiront au mécaniste. J'aimerais vous accompagner et vous assister. Oui, allons-y, Ada. General Atomics possède des pièces de valeur. Les robots s'y trouvent encore probablement. Voilà, donc je vais renvoyer Piper à... à Sanctuary, parce que bon, je vais avoir besoin de Ada tout le long de la quête, donc bah... Vous trouvez quelque chose d'utile ? Donc ouais, effectivement, personne n'a survécu, hein. Alors, cet endroit dit que le robot, il s'appelle Salut. Alors, j'imagine que Ada veut dire salut dans une langue. J'ignore juste laquelle. Alors, on va piller toutes les machines. Mais je crois que c'est fait. Ah non, là. Alors, à savoir que désormais, donc les robots ici qu'on va croiser dans l'extension, et qu'on croisera pas que dans l'extension d'ailleurs, hein, maintenant ils vont se disperser un petit peu à droite à gauche, ils vont donc looter des nouveaux items. Alors soit, enfin déjà ils vont dropper des comment on appelle ça? Ah c'est Ada, ça veut dire salut en breton. Et ben voilà, j'aurais appris quelque chose. Donc ils vont dropper des steam packs pour robots entre guillemets, donc des kits de réparation pour robots qu'ils appellent ça. Ils vont dropper des pièces de robots, c'est-à-dire que... enfin des pièces... Oui, donc par exemple s'il y a un robot qui a des jambes de sentinelle, il y a des chances qu'il me drop les jambes en question et je pourrais les équiper sur Ada ou sur les robots que je vais pouvoir créer. Parce que oui, dans cette extension, on peut créer ses propres robots. On peut les créer, on peut les nommer.
Donc si j'ai envie de faire un robot Mayana, un robot Setanta, etc., 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 un robot Mie, je peux. Je peux. D'ailleurs, je le ferai probablement pour le fun. Voilà, là j'ai récupéré un plastron de l'Azerotron. Ce qui veut dire que je pourrais équiper un plastron de l'Azerotron à mes robots. Ce que j'aimerais c'est trouver assez vite des jambes, parce que alors, les jambes de Ada de base, c'est juste ridicule comme un cours du coup. La pauvre. Ah, un super mutant légendaire. Ça va être rigolo, tiens. Ça va piquer, surtout. Ouh la vache, ça fait mal. Ce qui est l'avantage, c'est que là j'ai Piper qui a rejoint le combat puisque bah, elle était encore à portée quand il y a eu les monstres. Alors. Et ben voilà, l'arme légendaire qui m'a droppé, c'est une planche de bois qui fait plus de 50% de dégâts en plus sur les super mutants. Je me sers pas de planche de bois, donc ça ne me sert à rien, je vais même pas la prendre parce que ça ne vaut rien en plus. Bon. Alors, donc les pièces de robot, là j'ai tout pris, c'est bon. Ah, et les démons de la rouille, c'est un nouveau type d'ennemi aussi qui vient avec l'extension. C'est des espèces de Mega Rider of Doom qui ont tendance à utiliser des nouvelles pièces d'armure qui sont des pièces d'armure faites en... comment dire... en peau de robot, si je peux m'exprimer ainsi. Ça d'avoir autant de poids à la visée. Ouh! Et du coup, ils peuvent dropper aussi des nouvelles armes. Alors, leur truc, malheureusement, c'est que. Enfin, malheureusement, ça dépend pour qui, mais. Ce sont des armures lourdes qu'ils utilisent et moi j'utilise légère voire moyenne maxi. Donc j'ai besoin d'être mobile. Donc, malheureusement, les armures des démons de la rue ne m'intéressent absolument pas. Hop. Oh, encore un plastron de la Zerotron, fais chier. Bon, l'avantage c'est que ça peut se revendre, donc s'il y a des pièces qui m'intéressent pas, je vends. Voilà, parmi les nouvelles armes, il y a celle-là. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Où est-ce que c'est dans ma liste? Voilà. Ah oui, la torche est allumée. Merci Mayana, j'avais oublié. J'avais pas fait gaffe. Donc cette arme rappellera des souvenirs à ceux qui ont joué à Fallout 3. Même si le skin est différent, le fonctionnement est le même. Que l'auto-H. Qui était dans l'extension The Pit que Mayana avait streamé, il me semble. Ah, il y aura bien d'autres armes hein, qui viennent avec l'extension, hein, mais ça, bon, là, il y en a qui me l'ont droppé, donc ça tombe bien. Alors, il est quelle heure dans le jeu?
18h. Donc là, je vais rentrer viteuf à Sanctuary, déposer mon matos et modifier Ada. Le temps de faire ça, il fera nuit normalement. Dormir et retour sur la quête. Alors j'avoue aussi, la création de robots est putain d'excellente, parce qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'extension, on va gagner des nouveaux plans, gagner des nouvelles pièces et tout, et on peut vraiment créer des robots de la mort. Moi j'avais modifié Ada, elle avait des ailes en métal, j'avais un autre robot, c'était une sentinelle, enfin le corps d'une sentinelle, mais il volait comme un Mr. Andy, donc comme lui là. Et il avait une tête de... un crâne de... d'écorcheur, enfin il était super badass quoi. il y a vraiment moyen de créer des monstres quoi, des vrais purs monstres quoi. Voilà, alors je vais juste mettre une lampe parce que putain on n'y voit rien ici. Light, si je peux mettre, peut-être pas un feu non plus, un feu de camp, mais si je pouvais mettre une lanterne, voilà, vous pourrez voir quelque chose. Voilà, on va s'occuper d'Ada. Ada. Excusez-moi. Donc voilà, à savoir que je peux lui mettre une tête de Protectron qui aura ses propres customs. Je peux lui mettre pas de tête aussi, mais bon, c'est complètement stupide, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc je peux crafter tout un bazar. Hein. Je peux vraiment faire quelque chose d'assez poussé. Bon alors, pour gagner du temps... Ah mais, j'ai eu de la chance, j'ai droppé des jambes de la Zérotron en fait. Donc ben voilà, parce que sinon je peux la mettre en robot volant of Doom. Donc chaque type de pièce d'armure et tout a ses propres avantages. Et bien sûr ses propres stats. Pareil, voilà, je peux choisir de lui mettre à peu près n'importe quel type d'arme, corps à corps, énergie, laser, enfin. Des choses, genre des scies circulaires, un flambeur, donc les katanas de feu, une putain de Gatling laser, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est vraiment pas désagréable. À gauche de la Zérotron. Ah, elle est déjà mieux avec ses jambes là, on est bien d'accord. Hein. Alors bien sûr, il me faut un certain niveau aussi de en forge et autres pour équiper certaines choses. Ça, c'est logique. Il me manque juste un adhésif pour lui changer sa tête. C'est toujours fascinant de vous voir à l'œuvre. Ouais, elle a déjà une meilleure bouille, hein, quand même. On peut changer sa couleur, enfin, on peut faire plein de choses. Mais c'est mon lit, Marcy. Enfin bon. Putain, la femme, elle est mariée et tout, mais non, elle vient dormir dans mon pieu, quoi. J'ai envie de dire heureusement que son mari c'est une couille molle, sinon là j'aurais déjà une balle dans le crâne. Voilà, donc je vous ai montré vite fait, on créera d'autres robots quand on aura plus de pièces. Promis, et j'en ferai un pour ceux qui veulent apparaître dans la partie. Je ferai robot Millet, robot Maya, robot 7, robot Let's Gamer s'il veut aussi, etc, etc, etc. À savoir que les robots en question, on peut leur définir leur personnalité, on peut donc les nommer, et on peut du coup les attribuer à des camps ou carrément en faire des compagnons.
Donc, en gros, techniquement, cette extension rajoute un nombre quasi illimité de compagnons. Par quasi illimité, j'entends que vu le nombre de pièces qu'il y a, il y a vraiment moyen de faire de la variété, quoi. Donc, honnêtement... Et salut, Keke585, bienvenue. Donc là, on est sur l'extension de Fallout 4, si tu viens d'arriver, je crois. Ah bah oui, j'ai vu que... Alors hop, on continue la route maintenant. Oh ! Bambi ! Bambi ! Schlouk. Tiens. Voilà, c'était moi le chasseur. On a de la compagnie. Oula. Ça se tire dessus et ça vient pas de moi. Ah oui, merde. Ah, oh merde. Oh merde, je viens d'envoyer une grenade sur des civils. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi. Non, je vous jure, je me rends. Bon, d'accord. Bon, ok. Ada, elle veut pas... Elle veut pas lâcher l'affaire. Pas de survivants apparemment. Ah bah c'est Fallout hein ça, c'est dans le tas. Ça va chier. Ok. Voilà, le mystérieux étranger qui est apparu pour la première fois. Donc lui, il arrive et il tire une cartouche qui techniquement one-shot tout. Alors par contre, je sais pas, mais je trouve que dans Fallout 4, le mystérieux étranger, il a des gros problèmes de visée. C'est-à-dire qu'en gros, plus souvent qu'à son tour, il rate. C'est assez embarrassant d'ailleurs. Parce que d'habitude, t'es content de le voir à l'étranger, mais... Bon, bah, s'il se loupe, ça pas grand chose. Putain, mais j'ai vraiment merdé par contre. Hein. J'ai tué tout un tas d'inconnus. J'ai tué des civils! J'ai chié! Heureusement qu'il n'y a pas de système de karma dans Fallout 4. Parce que là. Non, 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 c'est Anta, c'est juste que t'as pas vu, mais normalement c'est un type avec un look de détective, tu sais, le trench coat, le chapeau et tout. D'ailleurs, j'ai une théorie à ce sujet-là, mais j'en parlerai plus tard, parce que sinon je vais vous spoiler. Mais oui, le trench coat est un peu jaune. Donc, Bayonetta de crossbow. Oh putain, elle est bien celle-là. Je vais remplacer la mienne, moi. Voilà. Oula, excusez-moi. Alors, sinon, pour répondre à possibles questions de, enfin, aux questions que vous pourriez vous poser. Si vous avez joué à Fallout 3, vous savez très bien que le mécaniste intervenait dans Fallout 3 et selon nos actions, on pouvait le tuer ou pas. Du coup, la question est, est-ce que le mécaniste de Fallout 4, c'est le mécaniste de Fallout 3 ? Non, ils ont été très malins, c'est une autre personne qui a juste eu le même délire, entre guillemets, que le mécaniste.
Enfin, à savoir que dans l'univers de Fallout, le mécaniste, en fait, c'est un personnage de comic book. En fait. D'où le fait que plusieurs personnes peuvent très bien choisir de prendre le rôle du mécaniste. Voilà, il est face à la fourmenteuse, entre autres. Mais à savoir aussi que Fallout 4 en fait a apporté un peu plus de trucs, c'est qu'en fait donc oui dans Fallout 3 on voit le mécaniste et la fourmenteuse qui est une ennemie de Grognak le barbare dans les comic books de Fallout. Et en fait dans les comic books et drama audio, enfin oui drama audio on peut dire ça comme ça, de Fallout 4, on apprend que le mécaniste c'est l'ennemi du Silver Shroud, un super-héros qui fait partie d'une espèce d'univers à la Avengers, puisqu'il fait des crossovers avec comment il s'appelle maintenant, avec Grognak le Barbare entre autres. Moi j'attends toujours que quelqu'un crée un mode où il fait les BD de manière à pouvoir être lu, mais bon. J'aimerais bien le faire, mais je sais pas dessiner. Sinon, putain, je le ferai. Oh non. Oh putain. Oh non, 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 non. Alors, vous voyez là le super mutant qui clignote en rouge? C'est un super mutant kamikaze. C'est-à-dire que la bombe là, c'est une bombe nucléaire. Voilà. Donc si je tire dessus à temps, elle explose loin. Non, il y a eu quelques coups de lag, ça vient du jeu. C'est je suis dans des zones qui sont plutôt chargées, tout en streamant et avec quelques modes installés. C'est tout simplement ça, c'est tenta. Normalement, ça ne dure que quelques secondes, donc si pour toi ça dure plus longtemps, là ça vient de toi par contre. C'est genre un mini freeze d'une demi-seconde et puis ça recommence tranquille. Alors, on va s'infiltrer un petit peu maintenant. Mais oui, en plus, là, pour cette partie-ci, je découvre les zones, donc elles doivent se charger dans le jeu, quoi. Alors lui, je l'adore, là, cette goule-là, je l'adore, parce qu'elle est coincée sur son vieux rafio. Et elle peut rien y faire, quoi. C'est, on peut pas faire plus free kill que cette ghoul. Non, mais y a rien à couvrir, Ada, c'est gentil, mais. Deck qu'il est pas dangereux. Voilà, mais du coup oui, je sais pas, la première fois je me suis dit oh, il va y avoir un piège. En fait le seul piège qu'il y a, c'est qu'effectivement il y a énormément de radiation ici, mais c'est tout quoi. Je m'attendais, je sais pas moi, qu'il allait avoir une bombe ou quelque chose qui allait me tuer, mais non, tout va bien. Bon, j'ai pris quand même pas mal de radiation. On va enlever ça. Et oh, j'approche de Good Neighbor, moi. Good Neighbor qui est une des villes du jeu. C'est un peu la ville sans foi ni loi. Enfin, sans foi ni loi. Y a des gardes, hein, c'est pas ça, mais les gardes, c'est des mafieux, quoi. Oh merde. Mais putain de... Pourquoi? Ouf.
Alors, la radiation, c'est en tas pour t'expliquer vite fait. Donc, ma barre de vie est en bas à gauche. Et quand je prends des radiations, en fait, ma barre de vie, elle commence à devenir rouge. Les parties rouges, ce sont des parties de vie que j'ai en moins. Donc, si par exemple, j'ai la moitié de ma barre de vie en rouge, je n'ai plus que 50% de mes points de vie. Et si j'arrive à... si j'arrive à 100%, tu t'en doutes, je meurs. Ouais, je suis vraiment pas loin de Good Neighbor. Et pas Good Neighbor, là, comme tu l'as écrit, c'est dans le tas. Oh, c'est pas vrai. Non, mais c'est une blague, hein. Je vais tomber sur tout, là. Alors, un Yaogwai, des mutants. Bon, l'avantage, c'est que je peux faire confiance à Ada. Ada est plutôt efficace. Merde, Ada, elle a perdu un bras surtout. Bon, après, Ada, c'est un robot magique, hein. Ada, son bras il repousse entre les combats. Voilà, quand je vous disais. Parce que imaginez si à chaque fois je dois rentrer à Sanctuary, la réparer. Ce serait un peu pénible. Bon alors, ici il y a un boss caché, enfin caché, entre guillemets, caché, plutôt violent. Est-ce que je le tente ou est-ce que j'attends d'être à niveau pour le tenter? Je vous laisse voter. Pour l'instant là, je vais quand même nettoyer le terrain parce que si je le fais, je préfère pas qu'il y ait de gêneur. Oui, je sauvegardais avant, hein, on est bien d'accord, mais... Ok, donc je vais le tenter. Ah, et j'ai découvert la fosse, ce qui veut dire que je vais pouvoir aller chercher Kate. Notre chère Kate. Qui est la compagne préférée de Mayana. Et je dois avouer que je l'aime beaucoup aussi, Kate. Mais bon, on ira chercher Kate plus tard, hein, parce que je vais pas aller... Enfin, ça sert à rien de la prendre maintenant. Mayana, il adore Kate. Bon alors, on sauvegarde. Hein, on prend une drogue. Enfin, non, attendez. Deux secondes. Jeanne, ok. Je sais pas pourquoi il y a cet Anta qui dit qu'il renommerait bien Ada Jeanne. Je sais pas pourquoi, mais... Alors, voici le boss, il est caché là dans le lac. Donc il s'appelle Swan, comme un cygne. Hein? Bon, normalement, tant que j'approche pas trop, il va pas se lancer. Que j'aurai besoin de toute la puissance de feu possible. Des grenades.
Tiens, je vais coller une mine aussi quand il viendra. Enfin, quoique non, je joue pas bien avec les mines. Je risque plus de la faire sauter sur ma tête qu'autre chose. Donc voilà, donc Ah, Jeanne de SLG, oui, il y a de ça. Alors, la drogue, parce que je vais en avoir besoin, putain. Je vais tout buter, putain! Regardez-moi le monstre. Ouah, la vache! Bon, là, l'avantage, c'est que je suis bien drogué, donc les dégâts que je fais sont monstrueux, mais... Aïe! Ah! Sa mère! Lâche-moi! Oh, sa mère. Ah oui, il prend cher, mais je prends cher aussi, hein, putain. Ouh. J'ai level up. Non, pas encore. On continue de monter en charisme. Non, Swan, il a pris cher, là. Parce que j'étais bien équipé, hein, mais... Oh. Crois-moi, quand tu sais pas, la première fois, tu... Comment dire ? Tu souffres ! Voire tu meurs ! Honnêtement. Et puis, je rappelle que là, pour l'instant, je suis repassé en mode facile. Je vous rappelle que pour le... Sinon, vu comment je m'étais fait ratatiner la tronche par le... au début de l'extension, je suis passé en facile. Et il y a vraiment un creux entre facile et normal hein, dans le jeu. Moi, je refais le combat au mode normal, je suis même pas sûr d'y passer. Enfin, de... Ah tiens, tu vois là cet Anta, j'ai une bonne partie de ma barre de vie qui est rouge. Ce qui veut dire que cette partie là, ben ce n'est plus de la santé, si tu veux. Ce qui veut dire que ne compte pas sur mon total de points de vie habituel. Aime la sauce bolo. Ah non, le Power Fist, c'est un point américain pour moi. Je vais te le montrer en action. Je vais l'équiper. Oui, bon, sauf si Adam me prend tous mes kills. Mais c'est une arme qui est assez sympatoche, c'est plutôt monstrueux le Power Fist.
Du moins, si tu fais un build de personnage corps à corps, hein, si tu... Tu fais un personnage qui a beaucoup de force physique et d'endurance. Oui, ça peut être très efficace, hein, ce jojo. Ah non, je vais pas descendre par là, moi. Et bien entendu, putain, je viens de prendre un truc pour enlever les radiations. Et une tempête de radiation, une putain. Bon, par contre, si je trouve l'entrée de Good Neighbor, je fais un arrêt là pour racheter des munitions. Parce que... Oh putain, je l'avais pas vu celui-là. Bam! C'est par où, Good Neighbor, maintenant, putain. Non, 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 ça watchonne pas, mais il était déjà bien amoché, hein. Non, ça fait très mal, mais ça one-shot pas le Power Fist, hein. C'est surtout là que Ada fait beaucoup de dégâts par elle-même. J'étais ces espèces d'escaliers en colimaçon, si je peux dire. Ça me donne le tournis, mais super vite. Oh la vache, oh la vache. Je me sens vraiment pas à l'aise aussi haut, moi. Fort niveau avancé, je peux pas le débrouiller pour l'instant. Les portes sont fermées. Si je veux descendre, je vais sauvegarder, hein, parce que voilà, une chance sur deux que je vais me louper. Eh ben non, pour une fois je me suis pas loupé. Wouhou. Allez, pas me chercher. Bon, d'accord. Wow!
D'où tu viens, toi? Et hop, c'était gratuit celui-là. Oula. Alors, vous allez avoir un tout petit freeze de quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Voilà. C'est que là, j'ai ma RAM et ma carte mère qui commencent à saturer. Donc, j'ai juste rebaissé ça un petit peu. Oh, putain, allez, fond jeu. Allez, quoi. C'est bon, j'enchaîne le tout, là. Il manquerait plus qu'un écorcheur, là on aurait la totale. Mais j'arrive pas à trouver l'entrée de Good Neighbor, quoi, c'est génial. Je sais que je suis pas loin en plus, c'est ça le pire. Je suis pas loin, je trouve juste pas. Ah! Putain, je me suis téléporté comme un con au lieu de mettre un marqueur. Je sais même pas où je me suis téléporté, ça va être joyeux, ça. Ouais, c'est ça, c'est tenta. Ah bah oui, en fait, je suis revenu à l'étang où il y avait Swan, donc le boss, là. Bon, c'est pas grave, je vais tenter d'aller... Qu'est-ce que j'ai encore fait, moi? Oh putain. Bon. Alors, j'ai marqué une petite pause dans le stream de 5 minutes, le temps que tout refroidisse un petit peu, parce que là, vous voyez que j'ai des gros lags. Donc ça ne vient pas de vous, là, ça vient de ma machine qui a besoin de souffler 2 petites minutes. Donc je vous retrouve tout de suite, ne vous inquiétez pas, je reviens. Voilà, on va quand même sauvegarder, dans le doute. Et je vous dis à tout de suite.